Psaume 118, strophe 22. Psaume 39. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si je viens au rouleau du livre, il me prête.
Saint-Esprit, de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. Ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Rendons au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, amen. Si vous avez mon âme. Cantique de Baruch, page 316. Écoute Israël les préceptes de vie, ton oreille apprend à discerner. Que se passe-t-il, Israël? Pourquoi tu vieillis en terre étrangère? Sont la science et la force.
sa voix, nul ne comprend ses sentiers. Père Bernard Ray, en route vers Pâques. Nous savons tous que notre société veut escamoter la mort et nous connaissons la recherche angoissée de solutions, y compris la réincarnation, pour oublier, voire nier la mort. Pour beaucoup de nos contemporains, la seule question valable est « Pourquoi la mort qui va briser ma vie ?» Comment échapper à cette mort? Or, l'enseignement de Jésus contredit radicalement cette conception de l'existence. Pour lui, la grande question n'est pas « Qu'y a-t-il après cette vie qui se brise sur la mort ?» Elle est « Actuellement, êtes-vous vraiment né à la vie ? Ou bien errez-vous encore dans la mort ? À quoi ? Au service de qui ? Employez-vous votre existence et vos talents? Pour Jésus, le vrai problème de l'homme n'est pas son passage dans la mort au bout de la vie, mais son passage actuel de la mort à la vie. Nous nous demandons souvent quelle vie il y aura après la mort. Jésus, lui, nous demande « Quelle vie y a-t-il? Quelle vie as-tu avant ta mort ?» Vous qui voulez à tout prix être des vivants après la mort, savez-vous au moins si maintenant vous êtes des vivants? La vraie vie, nous l'avons vue à l'œuvre en Jésus et en ceux qu'il nous a fait rencontrer durant ce carême. Elle est dans le don, la remise de soi au Père et aux autres. Qui perd sa vie la trouve. Pour le disciple de Jésus, la véritable existence n'est pas une suite d'années qui se brisent contre la mort. La vraie vie emprunte le chemin inverse. Elle est naissance, marche vers le Père, venue à la lumière, passage actuel de la mort à la vie. C'est une Pâque. Thank you.
Que je désire et dans les sacrifices la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Lecture du livre d'Osée. Les fils d'Israël se disaient entre eux, « Allons, revenons au Seigneur. C'est lui qui nous a cruellement déchirés, c'est lui qui nous guérira. Lui qui nous a meurtris, il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Elle sera bienfaisante pour nous comme l'ondée, comme les pluies de printemps qui arrosent la terre. » Et Dieu répondit, « Que vais-je te faire, Éphraïm? Que vais-je te faire, Juda? Votre amour est fugitif comme la brume du matin, comme la rosée qui s'évapore à la première heure. Voilà pourquoi je vous ai frappé par mes prophètes, je vous ai massacré par les paroles de ma bouche. Car c'est l'amour que je désire et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. » Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. On le sait, le livre d'Osée raconte la relation tumultueuse entre Dieu et son épouse Israël. Dans le texte précédent, immédiatement notre passage, le Seigneur disait son espoir d'être cherché par Juda et Éphraïm une fois que ceux-ci auraient atteint le fond de leur détresse. C'est le début de la réponse de ces peuples que nous venons d'entendre dans la lecture de ce jour. Israël et Juda y disent leur espérance dans un salut procuré par le Seigneur. C'est de manière un peu intéressée que les fils d'Israël décident de revenir vers le Seigneur. Ils ne se préoccupaient pas vraiment de lui quand tout allait bien, lui offrant simplement les sacrifices requis pour se conformer à sa loi, pour conjurer le mauvais sort peut-être, car il se mêle parfois à la pratique religieuse de l'homme une dose de superstition. Mais maintenant qu'ils sont dans la faiblesse et l'affliction, ils se souviennent qu'il est celui qui peut les guérir et les consoler. Comme le fils prodigue qui revint vers son père pour avoir du pain, ils font retour au Seigneur sous l'effet du malheur et du manque. Dieu, qui voit le fond de leur cœur, va-t-il pour cela les repousser? Non, Dieu ne les repousse pas. Il n'ignore pas leur appel. Au contraire, il saisit cette occasion pour les enseigner, pour leur montrer qui il est vraiment. Non pas un Dieu qui attend les sacrifices qui peuvent coûter, mais qui restent extérieurs à l'homme. Mais un Dieu qui veut que l'homme s'implique dans la relation avec lui en donnant son cœur même, tout son amour. C'est ce qu'il a proclamé par la bouche des prophètes. C'est ce qu'il a montré dans la vie de son fils Jésus, dont la nourriture et la joie étaient de faire la volonté du Père. Ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas que nous nous fassions mal pour lui prouver notre amour, mais que nous soyons suffisamment pris par cet amour pour nous oublier nous-mêmes et faire de tout cœur ce qui plaît à lui-même et à nos frères. Bien sûr, cela n'est pas immédiat et nous avons toute une vie pour l'apprendre. Parfois, les difficultés de la vie ont fait que nous avons peur de lâcher ce que nous considérons être notre droit quand nous pensons que c'est vital pour nous. Alors que si nous lâchons quelque chose pour Dieu, lui ne nous abandonnera pas et continuera de nous donner tout ce qu'il nous faut pour le chercher au fur et à mesure de la route. Peur de lâcher aussi l'idée que nous nous faisons de Dieu,
un Dieu qui se satisfait de nos sacrifices et de nos bonnes actions, alors que Dieu veut plus de nous parce qu'il veut plus pour nous. Ces peurs sont normales dans notre condition humaine marquée par la souffrance, où notre espérance et notre confiance ont peut-être été trahies. Dieu le sait, et même si c'est par peur ou par intérêt que nous venons vers lui au départ, il nous accueille quand même, dans l'espérance que ce premier terme soit une mise en route pour le connaître et arriver à la plénitude de vie qu'il veut pour nous. Dès ce moment, il pose sur nous son regard de douceur et de compassion qui nous apaise et nous permet d'entrer dans une relation de confiance et d'amitié avec lui. Les fils d'Israël pensaient le Seigneur responsable de leurs maux. N'ayant pas une conscience droite, ils s'estimaient dignes de punition et pensaient que le Seigneur les voyait de même. Du fond de leur erreur, ils en étaient cependant arrivés à l'intuition juste que Dieu est celui qu'on a toujours à s'efforcer de connaître et celui que l'on peut toujours espérer, car effectivement sa venue est certaine comme l'aurore. Ainsi, il y a souvent dans le cœur de l'homme l'invincible espoir d'un avenir meilleur, même s'il n'y met pas le nom de Dieu, que cet avenir concerne la vie ici-bas ou une vie future. Et Dieu ne déçoit pas son attente, car c'est lui qui a placé ce désir et cette espérance dans le cœur de l'homme pour le mettre en mouvement, pour l'appeler à construire du neuf. Car Dieu accueille toujours le cœur qui se tourne vers lui. Tirons donc profit de ce carême pour nous redire nous aussi les uns les autres en Église. Allons, revenons au Seigneur, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu ouvres à ton peuple la voie du salut. Mets en nous le désir de te ressembler. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu nous apprends à te reconnaître en nos frères.
rends-nous attentifs à leurs souffrances. Seigneur, tu donnes à tes enfants de former un seul corps. Pardonne nos fautes contre l'unité. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, donne-lui, nous t'en prions, le pasteur qu'elle attend, un homme qui est l'esprit de l'Évangile et nous guide selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Marie, quelle serait la mère du Sauveur?
Regina Celorum. Amen.